Voilà. Alors, je vais vous parler en français, même si la chaîne YouTube appartient à un groupe plutôt australien, avec notre ami Keith Alderson, qui m'a invité à vous présenter en français ce que je connais de la vie et de l'œuvre de Edgar Cayce. On prononce Edgar Cayce, mais en réalité, en français, ça se lit Edgar E-D-G-A-R. Vous voyez sans doute cela dans l'introduction. Et le nom, c'est C-A-Y-C-E. Mais en américain, on dit Cayce. Et donc, je peux d'abord vous dire qui je suis et pourquoi je parle de Cayce. Moi, je m'appelle Philippe Antoine, je suis médecin, je suis neuropsychiatre, je suis également thérapeute jungien, transpersonnel, hypnothérapeute et d'autres choses que je peux mentionner durant mon exposé ou une autre fois parce que ceci est une première vidéo d'introduction à la vie et l'œuvre d'Edgar Cayce. Et comme il y a énormément de choses à dire, il y a plus de 14 000 documents référencés, et donc c'est énorme tout ce que l'on pourrait dire sur ce que Edgar Cayce a lui-même dit dans ce qu'on appelle des lectures. En anglais, on dit readings. Et ces lectures n'ont pas vraiment été traduites en français, mais il y a beaucoup de livres en français quand même. Je donnerai une bibliographie que vous pouvez aussi consulter. Et donc, je vais d'abord dire pourquoi moi-même je me suis intéressé à Edgar Cayce. Tout cela remonte à l'année 1965. Cela vous montre que je ne suis pas très jeune. Et en 1965, il y a eu un livre qui s'appelle toujours Le matin des magiciens par Louis Poels et Jacques Bergier. Peut-être certains d'entre vous ont lu ce livre et dans ce livre, il y avait un petit chapitre qui était consacré à Edgar Cayce, et ce qui m'intéressait, c'était à la fois le côté médical, puisque il y avait des guérisons inattendues, on pourrait dire miraculeuses, entre guillemets. En tout cas, la médecine classique ne parvenait pas à traiter certains cas qui, eux, étaient traités avec les recommandations d'Edgar Cayce. Et ensuite, le côté paranormal, psychic, on dit en anglais. Donc, tout ce qui concerne les capacités psychiques, certains parleraient de pouvoir psychique, mais là, il vaut mieux pas trop employer ce mot de pouvoir qui est toujours très attirant pour le public, mais qui détourne éventuellement des buts profond de la recherche de l'homme sur la Terre, puisque finalement, c'est cela que nous développerons, pas aujourd'hui, mais c'est le côté philosophique et spirituel d'Edgar Cayce. Et donc, au début, ce qui m'a intéressé, c'était le fait qu'il parlait de médecine, de traitement, de choses que la médecine classique n'utilise pas. Et que par la suite, d'ailleurs, on a dénommé médecine holistique. Il y a même un article dans le journal américain de médecine, donc le JAMA, le Journal of American Medical Association, qui cite carrément Edgar Cayce comme le père de la médecine holistique. Donc, c'est vous dire qu'il est quand même assez connu et reconnu dans les milieux américains, encore que ce n'est pas de la médecine classique, alors qu'en Europe et dans le monde francophone, Edgar Cayce est beaucoup moins connu, peut-être un peu plus au Canada, puisque le Canada est proche des États-Unis.
Ceci dit, donc, je continue pour mon intérêt à partir d'Edgar Cayce, puisque je vous dis tout de suite aussi que Edgar Cayce était né en 1877, comme on dit en Belgique, puisque je suis belge, et donc en 1877 pour les Français qui nous écoutent. Et donc, il est né au 19e siècle et il est mort le 3 janvier 1945. Il était né le 18 mars 1877 ou 77, mort le 3 janvier 1945. C'est dire qu'il a vécu dans la première moitié du 20e siècle et qu'il est contemporain de toutes les révolutions idéologiques, si l'on peut dire, et scientifiques, comme la relativité, la physique quantique, toutes ces choses qui ont bouleversé petit à petit notre vision de l'univers. Et si l'on suit Cayce, on peut aussi voir des révolutions dans la pensée par rapport à ce qui était enseigné jusqu'alors, mais qui vient aussi de certaines traditions, puisque, on le dira plus tard, Cayce lui-même n'a rien inventé personnellement, ce qui lui venait, donc, et c'est ça qui faisait un autre intérêt pour moi, c'est le côté psychique ou qu'on appellerait peut-être en français paranormal, tout ce qui concerne la parapsychologie, et donc des facultés particulières psychiques qui lui permettaient d'être un voyant, un clairvoyant, certains diraient médium, mais ce n'est pas un médium au sens habituel du terme, puisque on devrait réserver le mot médium aux personnes qui communiquent avec les personnes décédées. Ce n'était pas vraiment le cas d'Edgar Cayce. Et donc, toutes les facultés, en fait, il avait plusieurs facultés paranormales. Et tout cela grâce à une capacité particulière aussi, qui était de se mettre lui-même dans un état qu'on appelle auto-hypnotique, ou en méditation profonde. C'est lui-même qui se mettait dans cet état suite à quelques suggestions de quelqu'un de son entourage. Et donc, c'est un cas très particulier aussi dans l'histoire de la médecine ou des sciences psychologiques ou les neurosciences, ou dans toute la psychologie et dans l'histoire de l'hypnose, parce que il n'est pas habituel de voir des personnes qui passent dans des états d'hypnose profonds comme il en vivait lui-même. Et quand il était dans cet état d'auto-hypnose profonde, Edgar Cayce répondait à toutes sortes de questions qu'on lui posait, n'importe quelle question, il répondait, enfin quand il y avait une réponse, évidemment. Et donc, on pouvait lui poser des questions sur des sujets aussi divers, mais d'où vient l'univers, par exemple, ou quel est notre rôle sur la Terre, quel est notre but, notre mission sur Terre, ou bien on lui demandait comment faire disparaître une verrue, ou quelle maladie affecte cette personne et comment peut-on le guérir, etc. Donc, il répondait à ce qu'on lui demandait et il a dit des choses assez étonnantes, étonnantes pour l'époque. Maintenant, dans les mouvements qui sont arrivés alors dans les années 60, ce qui est bien postérieur à sa mort, on a repris toute une série de thèmes. On pourrait dire donc que Edgar Cayce était un précurseur par rapport à toute la mouvance du New Age, du Nouvel Âge. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était le côté médical, puisqu'il y avait des données médicales et que j'étais à l'époque en études de médecine, et aussi les données parapsychologiques, puisque je me destinais à la psychiatrie, et donc je suis psychiatre à l'heure actuelle toujours. Et donc tout ce qui est de l'ordre du psychisme et des capacités psychiques m'intéressait beaucoup également. Et donc, ça c'est le premier intérêt d'Edgar qui est ici et qui attire évidemment beaucoup de monde. Ce sont toutes les choses un peu extraordinaires. Également, ce qu'on peut appeler des prédictions qu'il a faites de son vivant, dont pas mal se sont réalisées, d'autres ne se sont pas réalisées. Donc là aussi,
Il faut être prudent quand on dit qu'un tel, un tel a dit ceci, a dit cela. Et à l'heure actuelle aussi, le mot que l'on emploie au lieu de médium, ce serait de dire qu'il faisait du channeling, hein, le channeling ou la canalisation, comme on dit parfois en français. Tous ces mots qui sont maintenant arrivés dans le vocabulaire actuel, en réalité, Edgar Cayce, on pourrait dire aussi, et certains l'ont dit, il y a d'ailleurs un livre qui s'intitule Edgar Cayce, le prophète, et donc le mot prophète aussi a été employé à son égard. Tout cela, nous le développerons dans une série de vidéos relativement courtes pour traiter chaque fois un petit sujet. Et tous les sujets qui sont intéressants, on peut les trouver très facilement sur le lien internet www.edgarcayce.org. Et vous trouvez là toutes les informations, mais évidemment c'est en anglais, ce n'est pas traduit directement en français. Et là, il y a pas mal de livres aussi en français qui seront mis en annexe de la vidéo. Voilà, donc pour aujourd'hui, je n'irai pas beaucoup plus loin. Juste quelques sujets qui seront abordés, donc je vais vous donner quelques sujets tout à fait généraux et on pourra détailler parce qu'il y a des détails, des choses concrètes très intéressantes. Donc, ce ne sont pas des généralités philosophiques. Edgar Cayce était un homme concret, un homme pragmatique qui a toujours demandé à tout le monde de vérifier ce qui convenait pour chacun. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a guidé un mouvement en particulier, même s'il y a une association à l'heure actuelle qui s'appelle Association for Research and Enlightenment. C'est une association qui existe donc aux États-Unis, à Virginia Beach. Et si vous allez sur Internet, vous la trouvez très facilement. Et c'est là où on trouve les bonnes références, si je puis dire, concernant tout ce que Edgar Cayce a dit, parce que à l'heure actuelle, beaucoup de personnes font des exposés, des conférences en reprenant une petite phrase, un petit mot d'Edgar Cayce et en extrapolant, en donnant des informations qui ne sont pas toujours justes. Donc, si vous voulez avoir de bonnes informations, des informations véritables et contrôlées par rapport à Edgar Cayce, il faut aller sur le site edgarcayce.org. Et la traduction de Association for Research and Enlightenment est assez compliquée en français, parce qu'on pourrait dire association pour la recherche, ça c'est pas un problème, mais le mot enlightenment est un mot qui a été traduit différemment. Il y en a qui traduisent par éclairement, ça n'a pas beaucoup de sens, l'éveil de la conscience, si on veut, mais ça n'est plus le même mot. Enlightenment, c'est un mot qui correspond à l'âge des Lumières. Hein. C'était le mot anglais pour les Lumières en français ou Aufklärung en allemand. C'était le 18e siècle avec l'avènement, si l'on peut dire, de la raison dans le monde scientifique, philosophique européen. Donc, c'était une suite de l'esprit cartésien, si on peut dire. Mais en même temps, il y a cette idée de light qui est la lumière, et donc c'est pas la raison résonante terre à terre de 1 plus 1 égale 2, c'est aussi la raison qui est illuminée, et donc on parle parfois d'illumination, mais c'est un très mauvais mot en français, l'illumination, mais c'est donc la raison qui est éclairée par éventuellement des intuitions. Donc, il y a des choses qui nous viennent qui sont de l'ordre de l'intuition. Et nous savons que les grands scientifiques, et entre autres Einstein, a bien dit lui-même que ce qui lui venait, c'est par intuition, c'est pas toujours par raisonnement, logique, mathématique, et des conséquences d'un raisonnement suivi d'un autre raisonnement, suivi d'un autre raisonnement. C'est un processus très intéressant, mais c'est pas toujours ce qui mène aux grandes découvertes.
Voilà. Alors, je poursuis encore juste quelques minutes pour vous dire vous redire qu'Edgar Cayce était né le 18 mars 1877. Il est né dans l'Amérique profonde, comme on dit, ce qu'on a appelé aussi la Bible Belt, la ceinture de la Bible, c'est-à-dire les sudistes rigoristes, chrétiens rigoristes. Et donc, il n'avait rien au départ, il n'y avait rien qui le prédestinait à dire tout ce qu'il a dit et qui était parfois en nette contradiction par rapport à son éducation chrétienne de base. Et donc, il est né dans une famille de paysans, si on peut dire, du sud du Kentucky. Il était l'aîné de 5 enfants, donc il avait 4 sœurs. Et il a eu une vie tout à fait, on va dire, banale extérieurement, mais intérieurement, il a vécu des expériences très particulières et qui n'ont pas toujours été faciles à reconnaître pour l'entourage. Ça, je vous le redirai dans une vidéo ultérieure. J'étais en train de vous dire tous les sujets aussi qu'on allait aborder. Alors, il y a tellement de sujets dans toutes ces lectures. Donc, ce qu'on a appelé readings, en fait, je vous explique aussi les readings, les lectures, c'est que donc Edgar Cayce se mettait dans un état auto-hypnotique, il se couchait sur un divan, il fermait les yeux. Et après un certain temps, on lui posait des questions. Enfin, quelqu'un de son entourage, ça pouvait être, au début, c'était son père, puis ça a été son épouse, ou parfois c'était une autre personne, et on lui disait, voilà, nous aimerions savoir ceci, cela, et il commençait à répondre. Le plus souvent, dans environ 9 000 des lectures sur les 14 000, c'était des sujets médicaux. Donc, on lui disait, voilà, il y a monsieur un tel ou madame une telle ou mademoiselle une telle qui habite à tel endroit, admettons à New York, à la 5e rue, 125, 5e rue, voilà. Et cette personne qui s'appelle monsieur, madame une telle, souffre de quelque chose, on lui disait éventuellement, souffre de l'estomac, et on lui demandait qu'est-ce qu'on peut utiliser comme traitement ou quelle est la maladie, est-ce que c'est bien un problème d'estomac, etc. Et alors, Edgar Cayce, quand il était dans son état auto-hypnotique, répondait et disait, oui, voilà, je suis arrivé, je suis à New York, à tel endroit, et je vois monsieur ou madame une telle, et je... Alors, il commençait à faire son diagnostic et proposer le traitement. Il lui arrivait d'ailleurs de dire des choses très concrètes et banales, comme de dire, tiens, il pleut à New York. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone direct. Et donc, on contrôlait après, on disait, tiens, tel jour à 10 heures du matin, est-ce qu'il pleuvait chez vous? Et la personne disait, ben oui, c'est vrai, il pleuvait à New York, alors que Edgar Cayce, lui, il habitait à Virginia Beach, qui est beaucoup plus au sud, à 400-500 km ou plus, je sais plus. Et donc, il avait un climat qui n'était pas le même que celui de New York, hein. Voilà. Enfin, bon, ce sont des détails, mais c'est pour vous dire que tout cela a été vérifié, contrôlé, et que ces readings, entre autres, pour continuer sur le sujet des readings, c'est que quand il était dans cet état-là, à partir de 1920, il y a eu une personne qu'on a considérée comme une secrétaire, si on veut, qui a commencé à noter exactement tout ce qu'il disait, mot à mot, et parfois on lui redemandait de dire le mot si on n'avait pas bien compris. Et donc, elle a noté tout ce qui avait été dit, et c'est comme ça qu'il y a plus de 14 000 lectures, donc readings, qui ont été répertoriées et qui se trouvent toujours dans des dossiers à Virginia Beach et qui ont été maintenant numérisées, évidemment, et que l'on peut consulter sur Internet, hein. Et dans ces readings, dont je termine par là,
Les sujets tout divers que l'on peut développer, c'est par exemple la santé, puisque je vous ai dit, la santé, la guérison est très importante, la médecine holistique, c'est tout un chapitre énorme de tout ce qu'il a dit. Il y a alors tout ce qui concerne la philosophie de la vie, le passage de l'homme sur la terre. Est-ce que l'homme vient une fois sur la terre et puis il disparaît, ou est-ce qu'il est déjà venu avant? Donc le problème de la réincarnation éventuelle ou du karma, comme on dit. Un sujet important aussi qui a fait l'objet de beaucoup de travail, des personnes qui lui demandaient des lectures, c'est les rêves, l'interprétation des rêves. Alors, tout ce qui est évidemment phénomènes paranormaux, phénomènes psychiques, perceptions extrasensorielles, d'où ça vient, tout ça, quelle est la source des informations, etc. Et puis alors, le sujet finalement peut-être principal, parce que c'est celui que j'ai découvert en 1966, c'est que Casey n'était pas seulement quelqu'un d'intéressant au niveau médical ou psychologique, mais qu'il était surtout quelqu'un d'intéressant au niveau spirituel, au niveau de l'évolution spirituelle, de la croissance spirituelle et tous les sujets de la prière, la méditation en particulier, la méditation très important chez Casey, on en reparlera. Tous ces sujets, la Bible, les traditions spirituelles, pas seulement occidentales mais aussi orientales, il a parlé d'un peu de tout. Donc c'est assez extraordinaire son œuvre. Et nous poursuivrons la prochaine fois sur le détail de tous ces sujets, aussi un peu sur sa vie, évidemment. Voilà. Je vous remercie de m'écouter. Et si vous avez des questions, évidemment, plus précises, mon adresse mail apparaîtra. Et aussi, vous pouvez bien sûr vous brancher sur le site de edgarcasey.org. Merci.